Salut à tous, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Back to Basic numéro 4 consacré aujourd'hui à une petite application du précédent Back to Basic, en fait, hein, une grille de blues mineur qui s'appelle Thrill is Gone de B.B. King et également un petit chorus simple à jouer sur cette grille parce que je remarque souvent que vous avez du mal à vous repérer quand vous faites une improvisation et ça c'est parce que souvent vous faites des phrases peut-être qui sont un petit peu trop ambitieux. Donc voyons tout de suite un petit peu la grille d'accords. Je vais repasser en son clair et on va essayer de regarder un peu ce qu'on a sur cette grille d'accords. Donc je vous mettrai bien sûr dans la description le backing track que j'utilise qui est de la chaîne Guitare Improvisation. Je crois que c'est Martin le mec qui fait cette chaîne là donc c'est vraiment une chaîne on va dire en or au niveau des ressources guitaristiques sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Martin Guitare Improvisation qui est vraiment très chouette. Il y a plein de backing track, plein de leçons, enfin tout est vraiment très très bien fait quoi. Donc on doit trouver un si mineur. Ok, très bien, on cherche donc un si sur la corde de mi grave par exemple. Et on trouve que on a la note si à la septième case. Ensuite, j'applique le barré mineur ou mineur septième. Et je fais ça pendant quatre mesures. Ensuite, je tombe sur le mi mineur qui va être juste en dessous, corde de la, sept aussi, septième case. Ou mi mineur sept, comme vous voulez. On revient aussi, donc on rebascule en haut, corde de mi grave. Et là, pour le sol, vous avez deux options. Soit vous jouez sol majeur, qu'on peut trouver en case 10, finalement, sur la corde de la. Et ensuite, le fa dièse 7, il va être en case 9, corde de la. Donc, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les barrés avec les positions. Et ensuite, on finit par un si mineur. Ok, donc ça, c'est une façon de faire au niveau de la grille. On pourrait aussi respecter un petit peu plus et jouer un sol majeur septième. Alors il n'y est pas celui-là hein, dans les barrés. En gros je mets l'index case 10 corde de la, l'annulaire pardon case 12 corde de ré, ensuite ça fait majeur sur la corde de sol en case 11 et le petit doigt en 12 sur la corde de si. Ça vous fait un sol majeur 7. Le fa dièse 7 on peut le prendre comme ça ou on peut aussi le prendre comme ça. L'avantage c'est que là il y a un doigt pivot pour revenir au si mineur, donc ça c'est un peu au choix quoi. Ensuite vite fait on voit un petit peu les phrases, je vous fais pareil le petit partage avec le petit solo là. Donc voilà à quoi ça ressemble, je vais le mettre un tout petit peu moins grand. Donc on commence avec la phrase numéro 1 qui va faire ça. Donc c'est construit sur la box 1 de la gamme pentatonique. Hein. L'idée c'est que vraiment vous essayez de jouer ces phrases là en y mettant un petit peu du sol, en y mettant un peu du vôtre parce que sinon ça tombe à plat pas mal et on n'y croit pas quoi. Il faut vraiment que vous ayez le blues quand vous jouez ça. Donc première phrase. Ensuite on laisse respirer un petit peu. Puis on passe à la deuxième phrase qui est en fait comme une espèce de variante de la première. Ok, encore une pause. Et on arrive sur le mi mineur septième. Et le plan va faire ça. Alors on peut slider le 9 là, sur corde de ré à la fin si vous voulez. De toute façon, tous les effets de jeu, le phrasé, c'est un petit peu au choix pour vous. Hein. Mais plus vous en mettez, plus c'est cool en fait. Hein, parce que c'est ce qui est bien à la guitare, on peut quand même faire pas mal d'effets de jeu que les pianistes ne peuvent pas faire. Alors profitons-en. Ensuite, on va retourner sur le si mineur et on reprend notre phrase du début. Et là, on va utiliser en fait une partie de la triade de sol après. Donc ça fera l'objet d'un back to basic sûrement ultérieur, les triades. Mais en gros, on a une triade de sol en forme de ré, comme ça. Là. Je vous la montrerai en plein écran après. Et on prend juste les deux dernières notes, là, le 8-7. Alors faites attention au rythme, hein, c'est croche, pointé, double. Donc c'est 3-4. Après c'est le même plan. Un demi-ton en dessous, puisque le fa dièse est juste avant. Et le dernier plan est un petit peu plus compliqué.
il va faire 3, 4... Alors, je n'ai pas noté là que je faisais des pull-off, hein, mais c'est une bonne chose à faire, je pense, en termes de phrasé. Là. Donc, bend d'un ton sur le premier temps, en blanche, donc ça dure deux temps. Vous pouvez le vibrer un peu si vous y arrivez. Et ensuite, vous redescendez tout de suite. Pull-off de 10 vers 7, cordes de si. Et 9 vers 7, cordes de sol, pull-off pareil. On arrive sur le si, la fondamentale. 9 cordes de ré, quoi. Et on finit par un dernier bend, cette fois-ci sur le troisième temps, de un ton également. Ok ? Donc, je vous rejoue tout ça. Allez, on va essayer de se le remettre. Ben voilà, un petit blues, une application sur les barrés et un petit solo. Et tout ça, encore une fois, disponible en document gratos dans la description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao !